Salut à tous! Hey, salut! C'est Didier GG de Gaming Room TV. Aujourd'hui, nouveau concept, nouvelle vidéo. Donc, il s'agit d'une présentation de la collection de nos abonnés. Qu'est-ce qu'elle était attendue, celle-là? On nous l'a réclamé, ouais, ça fait un moment qu'on nous la réclame. Ouais. Donc, on va pas pouvoir présenter tout le monde en même temps. Ouais, voilà, on a sélectionné. On a sélectionné, mais vous inquiétez pas, on fera petit à petit. Je pense que présenter déjà peut-être déjà 5 collections par vidéo, ça sera déjà pas mal, ouais. Et ça sera pas trop long non plus. Il y aura déjà sûr un deuxième épisode, voilà, voilà. À vous dire. Donc, ne vous inquiétez pas, ceux qui passent pas, bah, ça sera pour la deuxième vidéo. Donc, on va commencer par la collection de The Frenchy Gamer. J'espère que je dis bien ton pseudo. Donc alors, on va commencer par son petit coin gaming, voilà. Regarde, alors, il a son petit coin gaming, donc on a l'image sous les yeux, et ouais, puis vous, on a vous le PC voyez. Portable là, et vous la voyez bien. Donc tu veux détailler ou je détaille? On peut détailler, donc on voit déjà qu'il a un coin Nintendo. Ah ouais, un petit coin Nintendo. Petit coin Nintendo, bah, avec la Nintendo 64, la GameCube, ouais. La Wii U, la Wii, la Switch. C'est vrai qu'on peut dire qu'il a une paire de consoles quand même. Hein. Ouais. Et les 2DS, 3DS qu'on voit aussi. Ouais, après il y a tout ce qui est coin en dessous de la télé, il y a quoi? Il y a de la Sega, il y a de la PlayStation. Il y a un bon petit coin PlayStation, l'étagère. Un bon petit coin Sony par ordre évolutif, si on peut dire. C'est ça, ouais. Ouais, on passe de la PS1 à la PS4. Jusqu'à la PS4. Et le petit... il est monté en grade. Et ça doit être les petites figurines au-dessus de chez McDo. Ouais, il y a ces petites goodies. Mais ouais. C'est sympa quand même, ça, comme quoi. C'est bien présenté, puis bah, le coin Microsoft, un peu plus bas. Ouais, c'est bien, c'est caché Microsoft, on voit pas trop c'est bien. C'est cool. Allez, on passe à la deuxième. Photo suivante. Donc, étagère de jeux vidéo. Ah, ça c'est comme on disait, ça c'est une étagère Sony. Sony, spécialement voilà, Sony, avec au-dessus PlayStation. Donc on voit pas trop bien, nous, on voit pas trop bien, mais c'est pas grave. Ouais, on a la PlayStation 2. PlayStation 2, PS3 et PS4. Ouais. Avec deux collecteurs de chaque côté. Collector Gran Turismo et Call of. Je crois bien qu'il fait le full set FIFA, si je me trompe pas. C'est vrai que la vidéo est faite un peu à l'arrache, les amis, mais au moins les voilà, on est comme ça. On peut pas mieux faire, on est naturel. Naturel. Donc c'est vrai qu'il y a une paire de jeux PS4. Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. Et PS2, ça va encore, mais PS4, c'est vrai que t'as une paire de jeux. Ouais. Donc allez, photo numéro 3. Donc là... petit coin Nintendo avec la Wii U, la 2DS. 2DS, ouais. Les jeux Switch. Quelques petits jeux rétro. Ah ouais. En dessous. Deux jeux N64 en boîte avec un petit Titeuf jeu Game Boy. Ouais. Un petit Mario Kart. Elle est sympa la petite. Deux petits Mario Kart. Ouais, sympa l'étagère. J'aime bien moi la forme de l'étagère. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est sympa tes étagères. Et le petit coin, les trois figurines de DBZ. Ouais, Dragon Ball juste à côté. C'est sympa ça. Et on voit quoi, c'est quoi? Il y a quoi? Assassin's Creed sur PS3. Et on voit un bout de doigt. Ensuite. Ah, au-dessus de la fenêtre, ouais, une belle petite étagère avec les petites figurines Marvel. Marvel, il y a du Batman, il y a Iron Man, il y a Captain America, il y a même. On a même une petite Lara Croft de ce côté. Ouais, il y a du Batman, il y a Robin, je crois bien avec Joker. Il y a une petite figurine Assassin's Creed aussi. Sympa, franchement c'est sympa ta petite étagère au-dessus de... au-dessus de la fenêtre, comme ça j'aurais pas pensé, c'est original moi je trouve. Ouais, allez ensuite. Ah, le coin Microsoft. Ah ça c'est, nous vous savez, on n'est pas trop fan de la Xbox. Ça n'est pas notre coin du tout. Mais il y en a pas mal quand même. Il y a pas mal de jeux Xbox quand même, de la première génération. Que ça soit première génération, même 3-6. Hein. 3-6 ouais, mais il y a plus de Xbox hein, quand même. Avec des petits collecteurs, encore un petit collecteur d'Assassin's Creed, un peu de jeux Xbox One. Ouais, c'est pas mal. Mais sinon, pas mal. Après, on passera après pour la dernière photo. C'est vrai qu'on a coupé, vous avez envoyé plein de photos. Non, donc on a essayé de sélectionner pour pas non plus que ça dure trop longtemps. Donc la dernière déjà, photo, c'est vrai que la dernière photo, donc c'est la petite photo qu'on a vue du coin PlayStation 1, là. Voilà, donc c'est toujours Sony, on a un peu de PS Vita. PSP et puis bon, PS1 et encore un collector Assassin's Creed. Et des petites figurines de chez Star Wars. De Star Wars, ouais. Avec un petit bus de. Une petite tête de. De Dark Vador. De Dark Vador. Sympa comme tout. Et un petit jeu PS1, on voit du Final Fantasy, Heart of Darkness, Tomb Raider. Des bons petits titres, ouais. Mais sympa, franchement. Sympa comme tout. On peut dire que ta collection The Frenchy, elle est carrée, quoi. C'est vrai, tout est bien rangé. Ouais. T'as une belle pièce. C'est bien organisé, moi. Ouais. Donc GG à toi. GG à toi. Ouais, GG à toi. Donc ensuite, on passe à la collection de Arnaud. D'Arnaud, un abonné. Donc Arnaud n'a pas de chaîne YouTube, non. Mais il nous suit il nous suit quand même à travers nos vidéos. Il nous suit énormément sur Facebook. Ouais, il nous envoie des messages.
Ils nous envoient beaucoup de messages sur Facebook. Donc, même si on peut pas répondre, c'est vrai que on c'est peut pas toujours répondre, non. Donc alors on commence par donc une petite photo de console en boîte. Ça c'est beau ça, par contre là... Il a une magnifique Nintendo 64 noire transparente, ouais, elle est magnifique, noire grise transparente, ouais. Elle est magnifique. Franchement c'est beau de voir ça, c'est... L'état des boîtes sont magnifiques. Très donc, propre. Hein. La NES, la Super NES, N64, la GameCube blanche là. Wii U. La Wii U Zelda, ouais. Et les deux mini qu'ils avaient fait, donc la mini NES et la mini Super NES. Ouais, sympathique, hein. Franchement... Ça fait un bel ensemble. Ensuite, bah, quoi, un PlayStation Sony. Donc, bon, bah, PS1, PS2, PS3. Et la PS4 édition God of War, elle est superbe. Moi, j'ai les. Nous, on a la. L'édition Uncharted. Uncharted, mais c'est vrai que celle-là, elle m'aurait bien tenté. Ouais, elle est magnifique, super. Celle-là. Mais j'aime bien ma petite Uncharted. Ouais. Ah, ensuite, bah, Xbox. Microsoft, hein, donc. La Crystal. La Crystal, ouais, ah, édition sympa, limitée. Mais les boîtes, franchement. Elles sont en bon état, hein. T'as des belles pièces, ouais, hein, ouais. Du Arnaud. Bah, la Xbox One. Hein. Ensuite, bah, toujours du Nintendo, là, on repasse dans Nintendo. La console portable. Voilà, donc aussi bien la Game Boy Frigo que deux Game Boy Color. Elles sont sympas, franchement. Ouais. Elles sont belles, ouais. Après, on a de la DS, DS XL. Il a pris tous les formats. Ah non, mais c'est bien, franchement. C'est vrai, c'est bête à dire, mais des fois, il vaut mieux mettre un peu plus le prix, avoir des choses de qualité. Mais les boîtes, franchement, elles sont dans un état... Et c'est vrai que t'as des... Très, très je suis étonné de l'état de tes boîtes. Ensuite, accessoires. Accessoires, hein, donc le Super Game Boy. Donc ça, à côté, c'est le câble Link, vous ouais, savez, voilà, pour, c'est à ce l'époque... Que j'étais en train de regarder. Ouais, à l'époque, c'était pour transférer les Pokémon, quand vous avez le jeu Pokémon bleu, rouge et jaune. Et jaune, et qui ne sert pas... On peut combattre avec en derrière la fin. Si, entre nous, ouais. Donc bon bah les accessoires de la ça, Nintendo 64, connais, hein, ouais. Expansion pack. Expansion pack, Rumble pack et Et Memory Card, je sais pas. Voilà, c'est ça, non mais j'ai un trou. Donc deux cartes mémoire GameCube, une prise Péritel GameCube, une prise Péritel PlayStation. Après à côté, je ne vois pas bien. Adaptateur, je sais pas. Ouais, et puis une petite manette NES qui va sur la mini NES justement. Sorti récemment. Mais en tout cas. Récemment, il y a déjà un an passé, mais. Ah, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Et là, et ouais, on a du jeu en boîte, donc on a aussi bien, ouais. Bah, c'est Nintendo. Nintendo, ouais. On a la NES, la Super NES et la Nintendo 64. Et il y a un jeu qui a l'air d'être pas commun, là, c'est. Celui à droite en bas, je vois pas. Je vois pas c'est quoi. Deux. Je vois donc je crois bien qu'il est pas trop commun, donc c'est une belle pièce j'ai l'impression. Ouais. Mais comme ça je sais pas le titre, vous ne croyez pas, nous on connaît pas non plus tous les titres non, jeux vidéo. Hein. Donc en tout cas je vois qu'il a une paire de Street Fighter, il a le Street Fighter 2, le les Turbo, le Super, ouais voilà, les Donkey Kong, les Mario, Super Mario, Mario Kart, Double Dragon aussi, franchement, et les Turtles. C'est... Ouais, c'est Pokémon. Pas mal aussi ça. Franchement sympa. Et là, c'est son coin. Alors, C'est tous ces Resident Evil, normalement. Ouais. Je sais plus si. Il y a le Gaiden qui est pas commun. Qu'on voit en bas à droite là. Je sais plus s'il avait refait une photo avec tous les Resident Evil qu'il avait ou s'il en manque sur la photo, là, je sais plus. Ouais, je sais plus pas. Ce qu'il m'avait dit. Bah, du coup, super collection. Franchement, mon petit Arnaud, ouais. Belle collection, Arnaud. Même comme t'as dit, il y a du contenu. Ouais, franchement, que t'avais dit que tu pouvais pas trop montrer. Comme j'avais dit, ceux qui accompagnent Gaming Room, qui peuvent pas montrer, bah, mettez sur votre lit comme il a fait. Et vous avez vu qu'on a pu comme ça, présenter vos collections. On voit quand même le détail. Ouais. Alors, allez, ensuite, on va passer à Retro Game 52. Donc, il a une très belle pièce d'aspect gel comme ça. D'aspect, il a l'air d'avoir une sacrée pièce, hein, le loulou. Sacré gaming room. Donc, là, on voit l'ensemble où il y a la télé. On voit un coin PS4, PS3, PS2, PS5. L'autre côté, bah, c'est du Wii U. Mais en vrai, c'est. Ouais, je pense que aussi, ouais, il a arrangé. Il y a une petite télé cathodique, ouais. Nintendo. Le Wi-Fi, je pense que tu t'en sers pas trop, le Wi-Fi. Donc là, c'est les vitrines. Les donc, vitrines. Avec les figurines, il y a du DBZ. Qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a Goldorak. Un Goldorak, ouais. Je crois bien qu'il y a un échiquier DBZ aussi. En dessous. C'est là. Vrai qu'il y a une paire de figurines DBZ. On passe. Ah, la Senseiya. C'est sympa, franchement, ça. C'est joli, hein. Ouais. C'est. Je sais pas, c'est tout. Je connais pas. Une horloge. On a l'impression que c'est une horloge, ouais. Tu nous diras dans les commentaires. C'est super beau. Bah, de toute façon, vous nous direz dans les commentaires. Et il y a un poster de Harry Potter. Ouais. Ensuite, encore des figurines. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vois qu'il y a du Predator. Ouais. Il y a du
sur, à gauche en bas, il y a un peu d'Assassin's Creed, il y a du Small Soldiers aussi, la figurine, je l'avais quand j'étais gamin, là. Tu vois celle-là. Ouais, ouais, on a du Astérix tout en haut. Astérix et Seigneur des Anneaux. Ouais, et la vitrine, on a du Harry Potter. Ouais, dédié à Harry Potter, franchement, tu fais un peu de tout, toi, tu fais du film, tout ça. C'est sympa. Sympa, franchement. Il y a de la recherche, je pense. Ah alors ça, vas-y, Chucky avec la fiancée de Chucky. C'est génial ce que t'as. Avec Brittany, je crois qu'elle s'appelle, sa fiancée. Je crois bien, ouais. Une petite figurine Crash Bandicoot, Power Rangers après. Et c'est pas la poupée Annabelle à côté de Chucky en haut? Ah si, peut-être. Ouais, je crois bien. Bah de toute façon, tu nous le diras si... Vous nous le direz si on se trompe. Faut nous le dire. Ah. On a du Crash, du Power Rangers. Gormitique, c'était pas Gormitique la petite figurine Ça me dit quelque chose, ouais, ça. Gormitique, ouais. Sympa, et sympa le cadre Looney Tunes. Looney Tunes, ouais, après les Chevaliers du Zodiac. Sympa. Ah, ah le coin E.T. Scarface, ouais. Tony Montana. Il y a du Retour vers le futur, E.T., ouais. Le coussin à l'âge de glace. Il y a une voiture. K2000. K2000, ouais. Trop bien. Ah, là c'est quoi Alors là, oh là, non, c'est un mélange là. Nintendo, ouais. Sony. En plus, il m'avait redonné une photo, il me dit ah merde, il manque la console là. Parce que il avait oublié d'enlever sa tongue. Je l'ai laissé, rien que pour te faire chier, l'ami. Je vais le laisser, rien que pour récorrer. Excellent. Donc, du coup, ouais, là je crois bien qu'il y a pratiquement ses consoles en boîte. Il y a beaucoup de consoles portables. Game Gear, c'est une console qu'on recherche, on ne l'a pas. Ouais, non. Game Gear, 2DS, une paire de 2DS quand même. Mm. Après, ouais. La Wii, ouais, pareil, il a 3 Wii. Il y a la Switch. 5. Mm. Ah Wii. Oui, paire de Wii. Oui, mm. Oui. Oui, oui. Deux PS2, une PlayStation 1, il y a près de la NES. La NES, ça reste une classique quand même, il y a de la 3-6. La Switch. Sympa, franchement sympa. PS2 aussi, il y a deux PS2. Ouais. Alors, donc là, le coin... Coin console avec une... Moi, direct, je vois, c'est la figurine Spirou avec sous la PlayStation, celle que je veux. Qui tient la manette. Oh, elle est trop belle, ouais. Celle-là. Avec les posters derrière de Tony Montana, avec Mohamed Ali, je crois, dans le South Park. Je sais pas c'est quoi cette grosse bestiole en figurine. Je crois bien que c'est... Si je me trompe pas, c'est la reine... Tu sais, c'est dans Gremlins. C'est con que tu... Je sais pas si tu me l'avais envoyé, je me rappelle plus. Ouais, oh. c'est le Gremlins en forme d'araignée dans le 2, je crois bien. Ouais. Donc là, comme on dit, on voit le coin où il y a ces consoles en loose. Ouais. Avec ces consoles avec en boîte qui consoles sont rangées. Avec les consoles en boîte qui sont rangées. C'est génial. Avec la Keyblade de chez Kingdom Hearts. Tu vois bien, ouais, franchement. Il avait fait une vidéo dessus en plus. De toute façon, on mettra les liens des chaînes dans la description. Ouais, ça vous inquiétez pas, les amis. Ce sera plus facile et on mettra dans l'ordre de passage des collections. Comme ça, vous verrez pour les abonnés. Pour que vous puissiez retrouver. Ensuite, le petit coin Game Boy. Voilà, Game Boy Frigo, Color, Pocket, Advance. Et le scope de chez Nintendo. Voilà. Science, voilà. Avec deux grosses peluches. APLVDB, Dragon Ball Z Fighters SZ. Là-bas encore, on repasse sur le coin. Sur l'étagère, pardon. Donc là, on va passer aussi. Donc là, on retourne sur l'étagère Wii U. Là, on voit un peu mieux. Donc il y a de la Wii U, il y a de la Game Boy en boîte, il y a de la NES je crois bien aussi, si je me trompe pas, il y a de la 2DS, 3DS, la GameCube. Et après en bas on voit des manettes GameCube, ça va, t'arrives à voir? Ouais, je me concentre pour regarder. Voilà pour la dernière photo de Retro Game 52, parce que j'allais dire 53, je sais pas pourquoi je dis 53. Donc on va passer au prochain. Alors ensuite, c'est la collection de notre petit Marseillais. Ouais, de Seb, donc, le Marseillais. De notre Seb. Alors il avait tout rangé exprès en plus. Il avait envoyé une première photo, mais c'était pas rangé, là il a rangé. Et il avait tout rangé exprès et repris des photos. Donc moi, qu'est-ce que je remarque directement? C'est le PLV. PLV Red Dead Redemption 2 direct. Ouais. Ça, c'est vrai que ça doit prendre de la place. Mmh. Après, beaucoup de figurines DBZ. C'est ce que j'allais dire. Ouais, vu qu'il a mis un ça, DBZ, après t'as. Un petit PUBG. Non. Ouais, ça c'est son jeu de cœur. Il y a les. C'est sympa son petit meuble là pour mettre ses amiibo. Ah oui, son petit support. Alors c'est un petit support de parfumerie, je crois, qu'il nous avait dit. C'est génial parce c'est que génial, tu peux bien exposer tes amiibo quoi. Donc du coup on va rester sur les. On voit de la boîte de la PS4, la PS2, il y a un DJ Hero, je crois bien, c'est comme ça. Une paire de figurines. De DS. En dessous on descend. Donc on a la Xbox. La PS4, Mega Drive, PS1, PS1, PS2, et après un morceau de GameCube. De toute façon, on va redescendre, il y a la photo en dessous après. Ouais. Et encore un peu. Donc, du coup, on passe sur l'étagère à côté, il y a du PS2, de la. Quoi, c'est de la 64. La 64, on a en dessous de la Xbox. La Xbox, avec la Mega Drive en loose. Ouais. On a un beau livre. Ah, ça, par contre, ça fait sympa ton livre. Il y a un beau livre. Donc, on descend. Donc, du coup, là, on voit mieux. Voilà. Donc, on va voir le reste.
Donc du coup, on voit les consoles, les jeux Master System. Il y a trois Xbox, 4 Xbox, première génération. Et voilà quoi, je pense qu'on a fait le tour. Sympa comme tout. Sympa c'est ta collection. Ça fait un bon petit coin. Ouais, donc on va passer à la dernière collection. Alors il s'agit donc de la collection de notre ami de la Suisse, Senyuki. Senyuki, ouais. Alors un full setter console PS2 à préciser, tout de suite d'entrée. Donc, moi je, franchement la photo là je la vois, elle est juste... Elle est sublime. Il me l'a envoyé, j'étais en soirée dans un... Elle est magnifique. Un magasin de jeux vidéo. Ouais, elle est trop belle. Alors, on a plusieurs écrans, je sais pas si... Ouais, plusieurs écrans. Donc plusieurs télés. On voit que le mec, il... Avec les fauteuils. Il a plusieurs mêmes télés. Non, mais c'est sympa parce qu'il a plusieurs mêmes télés. C'est génial, moi, je trouve. Donc on va commencer par la droite. Donc on voit qu'il y a le coin, ça doit être le coin Xbox, là. Je vois que la Xbox Crystal. Et l'édition rouge, là, genre, je sais plus c'est comment... Je sais pas. Et t'as une PS2 rouge dessus. Oui, une petite PlayStation, ouais. Du coup, après, on repasse sur la gauche. Bah, donc, ça se trouve, attends, on a peut-être les photos. Attendez. On a peut-être un détail. Ouais. Donc là, on a le PlayStation. Ah, allez, voilà. Donc là, on a déjà les consoles. Donc, c'est quoi? On lui a redemandé. On savait plus c'était quoi, trop. Donc, c'est la console intégrée à la télé. C'est le ou la, je sais pas comment on dit, KDL22PX300. Donc, on a été au Pixel Museum. Il y en avait un d'écran comme ça. Et ouais, c'est sympa. Hein. Et ça, c'est sympa. Franchement, c'est cool. Donc, on voit, il y a une mini... Super Nintendo. Il y a... La mini PS1, là, non? La mini PS1, j'ai l'impression, ouais. On dirait bien. Une paire de clés USB. Ouais. Du coup, donc là, donc pareil, une paire de PS2, il y a la PSX. La PSX, ouais. En veux-tu, en voilà de la PS2, hein? Ouais, il y a de la bonne petite PS1. Donc de toute façon, ils collectionnent au niveau des références. Hein. Voilà, ouais, c'est pas que toutes les mêmes, hein, c'est les références qui changent. Si vous voulez savoir, vous irez voir ces vidéos, il vous expliquera tout. Tout à fait. On va pas non plus s'engager sur des sujets qu'on ne connaîtra pas forcément. Donc ensuite, on repasse sur le coin, encore PS1, PlayStation. PS2, PS3, PS4. Voilà, là il l'a fait par génération. Mm-hmm. Ensuite, la petite GameCube, Dreamcast, NES, Super Nintendo, N64. Et là, ce qui est marrant, je sais pas si vous voyez, mais sur la PlayStation 2 qui est en haut, on voit c'est marqué test. Ouais. Donc, de toute façon, si vous voulez vous renseigner, vous irez voir ses vidéos. Ouais. Il en parle mieux que nous. Ça, tout nous, est bien expliqué. Pas savoir. Ouais. Et la petite N64 en bas. Ouais. Ah bah là c'est sa ludothèque, son coin, jeu PS2. Donc là on voit, il y a une paire de jeux PS2, hein. De toute façon oui, vu qu'il collectionne de la PS2, pratiquement exclusivement on va dire. Donc on voit pas trop les titres non plus, mais je sais qu'il aime bien les Battlefront, ou les Tekken je crois bien. Il y a Socom, là on voit bien Socom, on voit un petit pop. Il y a un petit pop, Il y a 3 PSP, une manette, voilà quoi. C'est bien rangé, moi j'aime bien la disposition. Allez, Achiri, à ton tour. Alors ensuite, on a de la PS1. Ouais, on a une paire de jeux de PS1 quand même. Alors une tasse, une super tasse en haut à gauche. Ouais, PlayStation, ouais, une. Ouais, alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu vas où, à droite ou à gauche? Ah, je vais repartir, je redescends à gauche. D'accord. Donc c'est de la PS3. Ouais. Genre les yeux... Avec un petit Luigi, parce qu'il aime bien les Luigi. Ouais, il aime bien les Luigi, donc des manettes, il en a aussi. Et au-dessus, t'as des jeux Jap aussi au PlayStation. Ouais, il y a des jeux Jap. Donc, c'était la dernière photo. Bon, du coup, on remercie tout le monde de nous avoir... partagé votre collection. Voilà, de nous avoir donné les photos de votre collection. Ça nous a permis, nous, de voir vos collections et d'avoir fait... Et de découvrir également certains titres de jeux pour ceux qu'on arrive à voir quand même. Ouais. Puis c'est bien, moi, de partager l'univers de chacun. Ça donne aussi des idées de façon d'organiser aussi le rangement de jeu. Moi j'adore les casiers avec chaque console dedans. Je trouve que c'est sympa, ouais, franchement c'est sympa. Ça nous donne des idées pour plus tard, nous. Ouais, et c'est top. Franchement, on vous remercie. Vous inquiétez pas, pour ceux qui sont pas passés, ça sera pour la prochaine vidéo. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je vais pas vous dire quand elle sortira, mais ça sera bientôt. Donc pour ceux qui veulent participer, n'hésitez pas à nous renvoyer aussi. Sur Facebook, c'est plus facile. Bon, on mettra l'adresse email quand même. Ouais. Et par email. Mettez-le dans les commentaires et nous, on sera dans la description, il y aura l'adresse email. Il y aura l'adresse email, notre lien Facebook pour ceux qui veulent contacter sur Facebook. Et puis voilà. Ouais. Donc sur ce, on espère quand même que ça vous aura plu. Je pense que ça vous a plu. Nous, on s'est régalé. On s'est régalé les yeux. Voilà. C'est comme ça qu'on peut le dire, mais voilà. C'était cool. Très sympa, ouais. Et du coup, on se dit à la prochaine. Allez, salut. Ciao.